ici aujourd'hui, on a un Dairy Robot R9500. Il y en a qui appellent encore ça le Monobox, mais le vrai nom, c'est le R9500. Fait que dans le fond, les particularités qu'on a et qu'on va discuter quand on va être dans la cabane à robots, dans le fond, c'est qu'on va parler de ce qu'on appelle la traite tout en un ou le Inliner Everything. C'est le fait que nous, chez GA, on traite tout dans le même gobelet, dans le fond. Fait que dans le fond, aussitôt qu'on attache le premier quartier, le lavage va commencer. On va utiliser le fait qu'on est en stimulation pour essayer de créer, dans le fond, une turbulence à l'intérieur du manchon pour essayer de nettoyer le mieux possible le crayon. Après ça, dans le fond, on regarde le débit pour être sûr qu'il y a un débit. Avec un débit, on va déterminer à combien de grammes par minute. On va jeter les premiers jets. Puis après ça, dans le fond, on va tomber en traite. Et après la traite, dans le fond, on va s'en aller, on va carrément faire le bain de crayon. Fait que ça, c'est un concept, dans le fond, qu'on utilise chez GA depuis déjà 15 ans. En fait, depuis 2007, ça va faire 16 ans, en fait, cette année. Fait que c'est pas un concept là, qui date d'il y a 3 ans, tu sais, GA. Je sais qu'il y en a qui ont encore la perception que GA était un peu plus tard dans la robotique, mais ça reste que notre premier robot qu'on a vendu, c'est en 97. Fait que ça fait quand même déjà plusieurs années qu'on est en robotique. Dans le fond, on va vraiment... Ce que moi, je veux vous montrer quand on va être dans la cabane de robot, c'est vraiment, justement, M. Damour en a parlé un peu, le fait qu'on peut jeter un quartier... qui est exemple en CCS ou qui est juste connu pour qu'il y a du sang dans l'air ou des choses comme ça. Garder les trois autres quartiers, dans le fond, c'est ce côté-là qui est vraiment intéressant au lieu de jeter malheureusement les quatre quartiers à terre parce qu'il n'y a pas cette option-là. Oui, ça implique qu'on a deux réceptions à lait. On a une pour le bon lait, une pour le mauvais lait. C'est normal, on veut gérer ça, fait que le colostrum, le mauvais lait ou la vache en traitement va aller dans le mauvais lait. Tout le reste va aller dans la bonne réception.